day. There's an ordinary world. Somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Jensen, Jensen, vous me recevez? À peine. Je suis à Panchayat, Richard. Des nouvelles de Sarif ou des délégués de l'ONU? Non, aucune. La station est coupée du monde depuis le discours de Darrow. J'ignore s'il y a des survivants. Mais le signal est toujours émis. Et personne ne sera en sécurité tant que je ne l'aurai pas coupé. Vous devrez d'abord débloquer l'ouverture de la station. Il doit y avoir un terminal de commande en haut de la tour. Richard, le central radio de Panchaya est en bas de la station, près de l'océan, c'est ça? Oui, mais le verrouillage de la station a activé toutes les portes coupe-feu. Vous ne pourrez pas descendre sans les débloquer manuellement. Depuis le haut de la tour, compris. Ugh.
sais que rien. Ce foutu vent. Accès au... Accès au... N'oubliez pas faire ça, monsieur Jensen. Déverrouillez la station et toutes les monstruosités qu'elle renferme vont se répandre jusqu'ici. Peur de mourir, Darrow? Ou refus d'assumer votre création? Oh, j'assume très bien, croyez-moi. Mais ça ne me réjouit pas. Pourtant, vous l'avez fait. J'ai fait ce que je devais. Il y a 20 ans, j'ai donné au monde la technologie des augmentations. J'y voyais la promesse d'un futur radieux, mais ce n'était que le moyen de s'autodétruire. Aucune loi ou résolution de l'ONU n'y peut rien. Des gens sont en train de mourir. Des centaines de milliers sont en train de sombrer dans la folie à cause de vous. Je devais convaincre le monde. Jusqu'à aujourd'hui, les gens voulaient voler le feu divin et redéfinir la nature humaine. Mais c'est la nature humaine qui nous fournit notre boussole morale et nous permet de vivre en paix, en société. La détruire, c'est détruire toute notre espèce. Ne vous faites pas passer pour le sauveur. Ce que vous faites est de la folie pure. Vraiment? Quand ce sera fini, les Illuminati ne pourront plus contrôler les gens comme vous, comme ils le projetaient depuis l'intérieur. Personne ne pourra plus détourner la technologie que j'ai inventée pour soumettre autrui. Or, nous savons tous les deux que c'est déjà arrivé. Vous vous prenez pour Frankenstein, tuant sa création. En fait, monsieur Jensen, je m'imagine plus volontiers en Dédale, regardant impuissant son fils s'abîmer dans la mer. J'arrête tout. Maintenant. Impossible. Le signal est généré par un centre de diffusion à la base du bâtiment. Le système de sécurité de Panchaya est programmé pour le protéger.
Vous mourrez si vous essayez même d'approcher. Vous avez conçu ce système, Darrow. Vous savez forcément le contourner. Je ne dirai rien. Vous trouvez que je vais trop loin, mais vous ne comprenez pas. Pour que l'humanité puisse survivre à ce siècle, elle doit abandonner toutes ses vieilles idées métaphysiques et épouser le changement. Mais pour commencer, elle doit retenir une dure leçon. Et le sang doit couler. Pour vous, l'humanité doit être punie, c'est bien ça? Les gens ne comprennent que la douleur? Quand tout sera fini, il ne restera plus rien ni personne pour épouser votre changement. La terreur et l'horreur que vous nous faites endurer nous auront laissé exsangues. Je savais qu'il y aurait des victimes, mais je pensais, avec le temps, l'esprit humain peut forcément s'en remettre. L'histoire nous a prouvé à maintes reprises que la race humaine est bornée et régie par l'inertie. En tant que société, en tant qu'espèce, le seul moyen d'obtenir d'elle une réaction quelconque, c'est de lui faire vivre une tragédie, un horrible cataclysme. Je regrette ce que j'ai dû faire. Mais avec ce que je sais de l'humanité et des dangers qui l'attendent, c'était l'unique solution. Vous voulez qu'on partage votre vision? Soit. Notre humanité est menacée parce que la technologie brouille nos esprits. Mais comment pouvons-nous reconnaître ce message quand nous pleurons les gens que vous nous avez forcés à abandonner? Des proches, des voisins, des gens que nous aimons. Vous voulez vraiment que nous gardions avec nous l'image de leur meurtre? Bien sûr que non. Je ne veux pas être réduit à un monstre. C'est mon génie qui a créé cette technologie, ma vision qui a séduit Sarif et Zao et tous ceux qui en profitent aujourd'hui. Ils cherchent tous à s'approprier mes recherches sans comprendre le danger que les gens comme vous représentent pour l'humanité. Je suis le seul à avoir la perspective, l'intuition, de savoir ce qu'il faut. Les gens comme moi. Dites plutôt différents de vous. Vous avez changé le monde en inventant cette technologie, mais votre création vous laisse sur le carreau. Et tant qu'elle peut encore continuer, l'humanité l'utilisera pour évoluer sans vous. Et le père de demain ne sera bientôt plus qu'un homme du passé. Mais ils ne peuvent pas m'abandonner, vous ne voyez pas? Vous croyez m'avoir cerné, c'est ça? Je ne suis pour vous qu'un vulgaire criminel que vous pouvez intimider par la force. Allez-y! Faites-moi cracher les codes! Déchaînez-vous! Et prouvez que j'ai raison, que les augmentations ont fait de vous un monstre. Si l'avenir ne peut pas vous appartenir, alors personne ne l'aura, c'est ça? Ouvrez les yeux, Darrow. Regardez ce que votre obsession fait subir au monde. Quand tout sera fini, il ne restera plus que l'anarchie et la peur se consumant dans les cendres de nos villes en flammes. Que pourrons-nous reconstruire comme ça? Non, ce n'est pas ce que je voulais. Il doit bien rester quelque chose, un espoir de renouveau. Parce que sans espoir, il n'y a rien. Je vais vous donner ce que vous voulez, Monsieur Jensen. Les codes pour désactiver le système de sécurité de Panchaya. Mais vous courrez un risque. Le système est majoritairement autonome. Et mortel. Quand vous le verrez, peut-être que vous comprendrez. La technologie que j'ai créée ne s'accorde pas avec l'avenir que désire l'humanité. S'il vous plaît, aidez le monde à comprendre ça. Rangez ça.
Richard. La station est déverrouillée. Je reviens au hangar pour voir si les portes coupe-feu sont ouvertes. Vous avez pu joindre quelqu'un ? J'ai capté plusieurs échos faibles, mais il y a trop d'interférences. Je crois que vous êtes seul, Jensen. Attention, Francis. On dirait que vous avez peur pour moi. Come on.
tuyauterie. Les tuyauteries. Ah, ce foutu vent. Ils sont partout! Tout bien conçu. Heureusement, j'ai pu me barricader ici. Non. Le reste de la station n'est pas encore sûr. Oui, bien sûr. Je vais rester ici. Ici William Taggart. Si quelqu'un peut m'entendre, je vous supplie de venir à mon aide. Nous sommes barricadés dans le central informatique. Il y a beaucoup de blessés. Par pitié, sauvez-nous! Par pitié, sauvez-nous! Je ne veux pas avoir à faire ça.
Monsieur Jensen, je vous en prie. Je vous en prie. Rangez votre arme. C'est inutile. Monsieur Jensen... Des monstres, Taggart ? Vous voulez dire des hommes ? Des hommes augmentés, devenus fous, qui ne se contrôlent plus. Vous me l'ôtez de la bouche. Malheureusement, il semble que votre estimé monsieur Darrow ait décidé de faire la preuve de ce que j'avançais à mes dépens. Dans la folie et dans le sang. Il nous a tous trahis. Enfin, le masque est tombé. Vous êtes impliqué dans tout ça. Et vous l'êtes depuis le début. Il serait futile de nier quoi que ce soit à présent. Et malgré ce que vous croyez, nous n'avons jamais voulu faire interdire les augmentations. Nous voulions une réglementation. Des règles pour encadrer les recherches sur cette technologie. Et des lois pour garantir qu'elles seraient utilisées pour le bien de la société. Vous faites passer la société avant l'humanité. Et qui fait les lois ? Des hommes sages, incorruptibles et persévérants, qui savent ce qui est juste. Des chefs émérites, qui se sont distingués comme vous, monsieur Jensen. Vous avez certainement gagné le droit de devenir l'un des nôtres. Vous n'avez qu'à dire oui. La gloire ne m'intéresse pas, Taggart. N'oubliez pas que sans contrôle, il n'existe pas de liberté, seulement de l'anarchie. Vous avez servi dans la police autrefois. Vous connaissez l'importance de l'ordre. Je sais aussi qu'il y a une différence entre l'ordre et l'asservissement. La biopuce n'était pas censée forcer les gens à faire quoi que ce soit. Elle devait juste limiter leur pouvoir, afin qu'il ne puisse pas y avoir de massacre comme celui auquel nous assistons. Et c'est un succès sur toute la ligne. Dites ce que vous voulez, mais je sais qu'une partie de vous m'approuve. La liberté absolue. Versalife ? Et si je choisissais d'incriminer les Illuminati ? Les Illuminati ne sont qu'un nom pour attirer les dons des riches financiers. Et puis... Pensez-vous que le monde croira à une conspiration tout droit sortie du XVIIIe siècle ? Faites ce que je vous demande, et vous assurerez un avenir à l'humanité. À toute l'humanité, augmentée ou pas. L'avenir que prépare Hugh Darrow en exclut de fait une partie. Laissez-moi y réfléchir. Ce Hugh Darrow est un... Partez ! Accès au... Courez ! Courez !
Laissez-moi tranquille. On peut plus les contrôler. Courez. Courez. Sortez ma tête. Laissez-moi. Ah. Ah. Tu me connais pas? Zao, qu'est-ce que vous faites? Je vais me connecter au projet Iron, Monsieur Jensen. Les ordinateurs quantiques les plus puissants du monde, reliés au cerveau humain. Je vais pouvoir pirater le signal de Darrow et modifier le message à notre avantage. Notre avantage? Celui des Illuminati? Quelqu'un doit interrompre ce signal et sauver le monde. Voyons les choses en face. Aucun de nous n'aurait confiance en l'autre pour le faire. Ordinateur, synchronisation. J'ai trop mal. Synchro-onde alpha à 40 cycles secondes. Par pitié, laissez-moi dormir. Puce maître-esclave incompatible avec le pays. Alerte, transfert contrôle à caisson à Non. Le système n'accepte pas ma puce. Système de rond débranché. Transfert contrôle du réseau à carte chère. Je ne peux pas contrôler Aira. Augmentation niveau de glutamax de 32%. Zao, laissez-les sortir. Je vais à la salle de contrôle. Non. Je peux le contrôler. Je le contrôle. Coupez le signal. Alerte de sécurité. Encaissons de drones primaires. Merde. Purgez les modules tertiaires. Non.
Bonjour, Adam. Bienvenue à la frontière. Ce n'est pas la fin du monde, mais la fin est proche. Elisa ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Mon travail est de chercher et relayer l'information, Adam. Avant que Darrow ne couvre tout avec son signal, le monde entier avait les yeux fixés sur cet endroit, moi y compris. Le signal ? Je dois le couper. Je sais, je vous en prie. Approchez. Savez-vous où nous sommes, Adam ? Nous sommes au point de rupture, le moment où la société peut basculer. Hugh Darrow voulait faire pencher la balance d'un côté, en révélant au monde ce que vous savez déjà sur la Biopuce, les Illuminati et le reste. Il croyait que cette révélation convaincrait l'humanité d'abandonner à jamais toute recherche dans les technologies d'amplification humaine. Ça leur donnerait une bonne raison d'en avoir peur. C'est vrai. Les aveux de Darrow sont prêts à être diffusés. Si vous voulez, je peux les envoyer à tous les médias dès que vous couperez le signal. Ce qui vous a coûté tant de souffrances sera révélé. Mais vous devez désactiver le signal avec cette commande. Il est également possible de modifier le message de Darrow pour en supprimer toute référence au groupe des Illuminati. Je peux annoncer que l'absence de réglementation a entraîné la contamination d'énormes quantités de neuroposines mises sur le marché. Ça plairait à Taggart. Vous croyez que le monde croirait à la fable de la neuroposine empoisonnée ? Vous seriez surpris par la crédulité des gens. Je peux les convaincre. De plus, ayant été victime de graves négligences des entreprises, la majorité forcerait le monde à édicter des lois restrictives sur toute recherche concernant l'amplification humaine. Mais vous devez couper le signal et activer la fonction de montage vidéo à partir d'ici. Bien sûr, il y a une dernière option. Ce passage conduit aux commandes de contrôle de pression de Panchaya. Détruisez-les et l'installation implosera, écrasée par le poids de l'océan qui l'entoure de toutes parts. Tous ceux qui sont à l'intérieur mourront. C'est ça votre option ? Il ne restera aucun témoin de ce qui s'est passé, Adam. Personne ne pourra manipuler les faits. Moi y compris. À vous de choisir. Pensez-vous être suffisamment sage pour choisir l'avenir à la place de l'humanité ? Ou faites-vous confiance à l'humanité pour choisir elle-même ? Si vous faites ça, l'opinion ne retiendra que les erreurs des entreprises de biotechnologie. Et les gens prendront des mesures très restrictives sur les recherches en amplification humaine. C'est bien ce que vous voulez ? Qu'il en soit ainsi. La liberté, pour ceux qui n'en jouissent pas, elle vaut tout l'or du monde. Mais où commence-t-elle et où finit-elle ? Nous nous octroyons souvent le droit de prendre, de changer ou de posséder tout ce qui concourt à la réalisation de nos rêves. Mais cela n'a-t-il pas régulièrement engendré des conflits avec ceux qui se comportaient de même ? En repensant aux épreuves que j'ai traversées, à la façon dont je les ai surmontées, je réalise que la morale pourrait nous sauver. La plupart du temps, la morale ne m'a-t-elle pas guidé, me rappelant que mes actions affectent les autres ? À maintes reprises, n'ai-je pas renoncé à employer force et ressources excessives qui m'auraient tant facilité la tâche ? J'ai réussi à garder mon humanité, mais la tentation de l'ignorer était toujours présente. C'est cette tentation qui inquiète tant Taggart. Il ne craint pas la liberté. Il craint le chaos qui s'installe lorsque les individus ne sont plus tenus par la conscience morale de leurs actes. Il veut réguler les technologies d'amplification humaine parce qu'il craint toute cette puissance sans limite, sans garde-fou pour nous retenir d'en abuser. La liberté absolue ne vaut pas mieux que le chaos. Toute société a besoin de lois et de restrictions. Alors si ceux qui entourent Taggart doivent œuvrer dans l'ombre, à nous guider pour que nous ne prenions pas un mauvais cap. Serait-ce si mal de les soutenir ?
S'ils sont aussi éclairés que Taggart le prétend, leurs décisions le seront aussi. Espérons qu'ils tiendront leurs promesses.